Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tour de John Bannon dans son dernier livre qui s'intitule Impact. C'est parti avec un jeu de 52 cartes. Le jeu est mélangé, comme ceci. On propose à un spectateur de choisir une carte le plus honnêtement possible. Pour cela, simplement, on lui demande de dire stop quand il le désire. Stop ici. Au stop, nous faisons constater au spectateur qu'il aurait pu choisir une des cartes qu'on a retournées face en l'air. Mais la première carte choisie sera la carte du spectateur. Donc je vous la montre. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Parfait. On fait quand même constater que toutes les autres cartes sont face en bas, ce qui est très important. On demande au spectateur de bien se rappeler de sa carte. Une fois que c'est fait, le jeu est coupé et on propose au spectateur de retrouver sa carte à l'aide de ses quatre compagnons. Vous les connaissez? Non? Eh bien, je vous propose ici les 4 As. Très bien. Les 4 As vont me permettre de retrouver sa carte. Alors, pour cela, je vous les présente. L'As de trèfle, l'As de cœur, l'As de pique et enfin l'As de carreau. Dans un instant, la carte du spectateur va sortir du jeu et se retrouver parmi les 4 As. Vous ne croyez pas, je parie. 1, 2, 3, 4. Instantanément. Ah bah tiens, il me reste une carte. Ne serait-ce pas la carte du spectateur? On va plus loin? Très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit mélange. Pour cela, nous allons mélanger les cartes face en l'air avec les cartes face en bas. Alors, rien de plus simple. C'est parti. Alors, je vous montre bien que toutes les cartes sont face en l'air d'un côté et que si je retourne, les cartes sont bien face en bas. Ah, ça me rappelle quelque chose, pas vous? Alors, je referme le tout, je coupe, et instantanément, si je claque dans les doigts, vous n'allez pas me croire. Nous allons retrouver toutes les cartes face en bas, sauf les 4 As. On enchaîne? On se retrouve donc ici avec les 4 As. Ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin, et de prendre deux cartes supplémentaires. Ah oui, j'ai une question à vous poser. Avez-vous une carte favorite dans les As? Oui, très bien. Alors, les deux cartes-là, je les mets de côté. Alors, vous m'avez dit que vous avez une carte favorite. Imaginons que la carte favorite soit... Tenez, l'As de cœur. Est-ce que je vous ai présenté les cartes qui étaient ici? Non. Alors, je vous les montre. Ce sont les deux valets. D'accord? Alors, les deux valets, eux, sont des cartes détectives. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer le premier valet dans la partie supérieure du jeu. Le second, lui, on va le mettre dans la partie inférieure. D'accord? Et rappelez-vous, votre as favori, l'as de cœur, lui, l'as de cœur, ce que je vous propose, c'est de le mettre... tenez, on va le mettre au milieu. Ouais, ça serait pas mal. Au milieu. D'accord? On va le mettre ici, au milieu. Et regardez, l'idée, maintenant, c'est de refermer le jeu tout doucement. Et les deux valets ont pour mission de se rapprocher de votre carte, l'As de cœur. Regardez. Je claque dans les doigts. Ça y est. C'est fait. Oui, quand je dis c'est fait, c'est là. Car maintenant, ici, nous avons un valet, une carte au milieu, un deuxième valet. Et ce qui serait fort, c'est que la carte qui est ici soit, eh bien, l'as choisi. Ça vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, bye bye les amis.